Jodi an se 15 août, mesdames et messieurs, nous connaissons qui sa date sa représente dans le pays d'Haïti. Jodi an son jour férié. Et nous même nous là, nous avons 24/24 informés sur l'actualité. Et dossier politique, insécurité, musique, et sport, nous là, TVLACAIHAITI.com pour nous au top de l'information, quel que soit l'agence, ça y est. Jodi an la, mesdames et messieurs, et bien Abdou, révolution lui-même, li pape campé. Esaü César finalement rejoint Guy Philippe et monsieur lancé bataille là devant ambassade américaine. Tout nèg qui senti ou gen couille, tout nèg qui senti ou gen testicule nan fessou, et ben pas hésiter rejoindre et ben groupe Guy Philippe là et groupe Esaü César qui donc Esaü César, Guy Philippe, mesdames et messieurs, et sénateur Edo Zeni et Muscadet et Nader Joasseus, tout nèg ça yo mette tête ensemble, sans nous pas oublier Jean Tel, Joseph, eh ben ancien commandant Bessaplan, tout nèg sa ou là, eh ben yo même pral mené yon bataille garçon pas campé, yon bataille déchoucage sous ambassade américaine qui yo même a fin craser pays ça. Eh ben gars koni mettez garçon dans garçon aux amis parce que bagala pas ka continuer comme ça en 2024 pour nous à vivre dans un pays, eh ben moun pas ka marcher ou pas gen liberté dans rien. Ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à marcher, ou pas qu'à dormir, ou pas qu'à faire rien. C'est bandit à nèg dans l'État qui a dirigé, c'est bandit à nèg dans l'État qui a fait causer dans le pays ça. Et bien, je dis à la Esaü César, monsieur lancé bataille ça, et m'a dit Guy Philippe, rejoigne, ou bien on dit Esaü pour rejoindre Guy Philippe. Et bien, vous êtes même capable de faire bataille ça, direction ambassade américaine, déchoucage total sous, et bien, et groupe vaurien ça, qui ont même fin craser le pays d'Haïti. L'autre détail nous porte pour nous, nous avons fait dans le département nord-ouest PIA, précisément dans la ville Port de Paix, la caille chérie. Bon, eh bien, il faut que nous disions que, Esaü César, mesdames et messieurs, qui lui même lancé bataille ça, eh bien, je dis à la, dans la question ZAM, dans la question Tipoudla, qui a rentré dans le pays, eh bien, il faut que nous disions divers policiers impliqués, et je dis à la, c'est un commissaire gouvernement, eh bien, qui vous mettez en bas code, mesdames et messieurs, dans le trafic Tipoudla. Est-ce qu'on tend, est-ce qu'on comprend? Hein? Je viens là pour prendre autorité. Est-ce qu'elle pata là-dedans ou bien est-ce qu'elle te loue là-dedans? Là, nous connaissons son bagage illégal, c'est ça, yo dit. Eh bien, je viens là, monsieur Pralguin, pour lui raconter, eh bien, tout acolyte li yo dans l'État qui est même impliqué dans la question Tipoudza. On écoute pour plus de détails, Naptoun. Nous nous serons d'autres, battre l'estomac nous. Napchita battre l'estomac nous, oui, libérez badan. Boudanini, nous ne faisons aucun libre badan, indépendant. Américains ont passé dans la bêtise. Américains, les États-Unis d'Amérique même. Américains, ambassade américaine, ouvert radio à bien long, ménagé. Américains, les Américains, moi, j'ai eu ce qui parle avec nous là. Je frappe même sous table pour me dire nous. Dans la bêtise de passer à Haïti, on va m'atteindre pour nous. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je veux que l'autorité soit capable de dire là. Pour dire aux Américains, qui ont fait promesse de retourner. Et puis, n'est-ce qu'ils ont fait démagogie. Oh oui, anti-impérialiste. On va nous bloquer nous. Pour qu'ils ne pas organiser nous. Si nous, si vraiment, Guy Philippe ne va pas la voir matin là. Bon, si vraiment, nous sommes bon anti-impérialistes, je vous donne rendez-vous par devant l'ambassade américaine. Tout n'est qui dit, yo c'est anti-impérialiste. Nous connaissons. Depuis ce n'est qui dit, yo c'est anti-impérialiste. M'attendu devant l'ambassade américaine. Comme demain, va y travailler, le rendez-vous est cassé par devant l'ambassade américaine. Qui Dieu c'est anti-impérialiste, que l'Amérique va passer dans la bêtise. Moi, je vais nous rendez-vous devant l'ambassade américaine. Regardez mon téléphone, 38-40-69-95. Tout n'est qui décide, allez devant l'ambassade américaine, pour ne parler avec Blanc, pour ne pas Blanc un message là, il y a peut-être de nous là. N'est qui Dieu c'est anti-impérialiste, l'Amérique va passer dans la bêtise. Il y a poupé en Zam en Haïti, il y a poupé en Zam, il y a balle tout calte au pays, pays à pas vivre quoi. Mais pas capable encore. Nous sommes prisonniers de notre propre pays. N'est-ce que Dieu c'est anti-impérialiste? Visa, non, moi, c'est visa au paix pour ne pas couper visa. Si c'est au paix pour ne pas couper visa, mais grand nom d'or, si c'est pas hypocrisie, vous dites que vous êtes anti-impérialiste. Guy Philippe, ma parole avant matin là. Comme vous êtes anti-impérialiste, rejoignez-moi devant l'ambassade américaine pour nous dire blanc, pour nous parler blanc, pour nous former une délégation, pour nous parler avec l'Américain. Parce qu'il faut dire le blanc ce qui est normal de dire. Nous dit blanc, c'en est assez. Américain, ou ben menti. Ou Québec avec un bas, ou prenez aigle, ou deux pieds aigle, ou collez sous tête nous. Nous pas qu'à avancer. Nous pas qu'à avancer, Américain. Ou collez, ou nous pas qu'à faire deal avec aucun autre pays. Les Américains, vous êtes méchants. N'est-ce qui doit se sentir impérialiste? En foot campagne, pas la blanc. Je dis à la, je dis à ces Goumé,
c'est début de l'indépendance, début de Goumé de l'indépendance. 14 août, nous appelons Bois Caïman, nous commençons Goumé pour nous prendre l'indépendance. Moi, Jean-Charles, où nous sortis impérialistes, je dis à la map, nous là, devant l'ambassade américaine, rendez-vous à casser, faut que nous allons, pour ne pas la blanc, et seule façon capable de dire blanc, nous pas d'accord. Je paye à vivre là, il n'est pas bon. Nous sommes prisonniers dans notre propre pays. Pas qu'à vivre encore, monsieur. Moi bouquet, nous bouquet, lui bouquet, yo bouquet, yo pas qu'à vivre encore. Ou pas qu'à camarades à l'étranger, yo pas qu'à vivre là. Oui, nous répondons encore, nous saluons toutes les amis, son plaisir, et bien pour nous être capables d'informer nous. Et bien, information qui est censée à pas dominer l'actualité, à nous parler direct. Et bien, au niveau de Port de Paix, et bien, Port de Paix, nous connaissons que, et zone ça qui vient tourner en zone scandale, et bien, dans les affaires, et cocaïne. Et bien, Abdou Guigné, autorité yo, au niveau de BLTS, ensemble avec, et bien, toute l'autre gros entité au niveau de la police nationale d'Haïti, qui ont même qui menait une gros opération au niveau de Port de Paix. Et bien, information qui est censée à particulier là, et bien, Abdou que, et Port de Paix qui n'a dépassé nord-ouest d'Haïti, et bien pendant une opération conjointe qui était menée à hier mercredi 14 août 2024 par la police nationale et d'Haïti et puis agent brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS, et bien il y a plus de 30 kilos de cocaïne qui avaient saisi un commissaire gouvernement et puis administrateur parquet a eux-mêmes ont placé en détention, tandis que directeur départemental nord-ouest a lui-même lui fait objet d'une enquête, et bien d'après responsable BLTSO, et bien qu'on est que zone Port de Paix, et bien nous rappeler, c'est un commissaire gouvernement qui est prend et prison, et bien je ne veux dire c'est même situation qui vient tout, et quand est que yo arrivé mettez en détention, et bien commissaire et gouvernement ensemble avec administrateur Pakia qui au même qui passé en détention parce que il y a Nabdo, c'est BLTS qui mène opération ensemble avec la police, et bien journée mercredi 14 août 2024, quand que yo arrivé découvrir plus passé 32 kilos de cocaïne et au niveau et saisi, et bien au niveau de Port de Paix. Quand même, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle, et mesdames messieurs, et 32 kilos de cocaïne, c'est pour un petit bagage qui petit là. Évidemment, bon là nous dit justement, et bien et gen arrestation, mais nous t'a vle, mesdames et messieurs, nous t'a vle pour cette fois-ci pour nous connaître exactement qui est-ce qui derrière et toute cocaïne ça yo que justement qui distribue dans le pays. Ça nous on pas contre ça ouais avant que nous eh ben là encore moi bravo pour la police et tout dans Port de Paix, nous songer et comment bateau Elisa il a arrêté plusieurs monde Jacques Dumédia de suivre en attendant. Eh bien, mettez détention, et nous avons parlé, mettez commissaire détention par rapport à 20 ans. Pour regarder si il doit y tremper dans la question de la cocaïne du mien. Parce que, en pile là, il y a une bagaille louche, en pile là, si on va laisser passer avec cocaïne, doit exam tout va net, eh bien, nous, la police, entend seulement, il y a saisi 32 kilos de cocaïne, et ouais, là encore, il y a mettez en bas quoi dans. Nous, comme on dit, commissaire gouvernement, ça veut dire que vous ne pouvez pas résister à quoi d'elle, pas bien voler. Ça veut dire que c'est autorité. Et récemment, on dit non, si nous devons résoudre le problème, nous allons là, commencer à marrer ensemble des nègres. Quand vous avez passage avec ZAM ou bien munitions, ou bien cocaïne, ou bien drogue en deux pays, nest qui là pour barrer la route avec bandits, nest qui là pour barrer la route avec ensemble des marchandises qui passent, mais sous le passage, mais vous devez arrêter parce que ou là vous êtes stoppé. Là, on combat bravo avec la police dans le département nord-ouest. Pourquoi pas dans la commune Port de Paix? C'est vraiment à féliciter. C'est un exemple pour nous de tracer sous même là dans Port-au-Prince. Parce que l'autre de l'ambiance, on a parlé là, blablabla. Les gens, les munitions. On a regardé ensemble des policiers qui ont mis des sous pour réfléchir comment faire. Mais ça arrive juste dans mon séjour. On a arrêté plus fort policiers qui nous donnent pour réfléchir côté qui est rentré la carrière dans mon séjour. Parce qu'ils ont la mis là pour protéger à servir ou comment pour empêcher les bandits à l'aise ou même si ou même ou si on complice ou complice. Mais ils ont arrêté. Bravo encore une fois avec la police. Quoi. C'est sûr et certain qu'il est complice. C'est sûr et certain, mesdames, messieurs. Nous, quand même, un commissaire qui a arrêté, mais
nous connaissons que dans question cocaïne bah ça son réseau lié son réseau c'est pas pour rien nous même nous toujours pointer droit directement pays Colombie pays la Jamaïque pour pas dire la République Dominicaine et sans compter les États-Unis donc évidemment Panama nous même Haïti faut nous lever faut nous courir sous quoi nous une façon pour nous stopper question trafic et question cocaïne qui a fait en dans pays ça monsieur pendant nous dans dossier ça là après tourner sur un peu plus tard et en tout rentrer dans question et diplomatie gros l'autre scandale mesdames messieurs là nous capable nous pour aller en rafale mais après nous pour le détailler pour vous rafale dans